Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la ferme française. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui, enfin l'heure de récolter notre fameux blé. J'ai pris le temps. Et j'ai acheté le mode pour les chevaux. Normalement, il est censé moi il est censé les promener et les brosser. Mais quand on accélère un petit peu le temps, il a fait la promenade ou pas? Non, ok. Non, c'est pas grave. Après, il faut peut-être le temps, je sais pas, il y a peut-être une heure précise. Je ne sais pas. On est en route. Je peux attaquer. Nos petits champs de blé depuis le temps et on va chercher petite barre de coupe là, hop, et on va le dépiler, ça sera fait. Avant, ça serait mieux. Là, on a tapé dans du beau matériel. C'est cool. Mets-toi en face, s'il te plaît. Merci. Ça, hop, c'est pareil, on pille. Allez, en route. Bon bah voilà. Enfin, on récolte notre blé. Après, je sais pas combien de mois d'attente pour pouvoir le récolter. Là, c'est bon, on y est. On y est enfin. Oh, c'est moi ou... Oh. J'avais l'impression que ça faisait un mandin très très large. Ça reste correct là. Niveau rendement, je pense qu'on est pas mal aussi. Hein. On est déjà à 2000, 3000. Je pense qu'on va être bien. Hop là. On va pas mettre de temps à approcher le champ. Vas-y. Comparé à avant avec notre petite moitié de débutant. Là, ça va être très très rapide. Tant mieux. Bon, on va pas passer 10 ans. Donc là, après, du coup, et on va faire un full soja. Puisqu'on a l'avoine pour les chevaux. Un full soja parti histoire de financièrement mettre vraiment bien. Ah, petit coup de boost, ça va pas faire de mal. Et comme ça, on pourra rembourser avec l'argent soja, on pourra rembourser notre crédit. Enfin, entièrement, forcément. Et ça descend à force. On commence à bien le rembourser, donc c'est bon signe. C'est vrai qu'avec avec toutes les usines qu'on a aussi maintenant, forcément, ça descend en sachant qu'on n'a plus de véhicules à acheter en soi. On a réussi à tout changer pour du beau matériel, du beau véhicule. Donc déjà, on a gagné ça, quoi. On gagne temps, plus de production parce que maintenant on investit beaucoup dans les usines.
me fait un très beau revenu tous les mois. Pas tous les mois. Quand c'est la période de vente. Les deux, non. Je crois qu'on a vendu de la salade. On avait vendu, je crois qu'on a vendu pour 180 000 euros. Ouais, pas loin. Qu'est-ce qu'on a vendu? Pas le lait. Le lait, je sais pas combien qu'on a vendu en tout. Je me rappelle plus. On l'a fait en plusieurs fois. Bon, on doit être à 50, des poussières, je pense, 50 000. Il y avait quoi aussi? Ouais, c'est tout. On a vendu que... Ah si, les œufs. Les œufs, ça nous a rapporté combien d'euros, ça aussi? Ça nous a rapporté gros. Là, maintenant, il reste juste pour qu'on mette l'épine à fromage. Pour être bien. On a encore 3 palettes de vêtements à vendre aussi. Ça, c'est pareil, 3 palettes. Je crois que c'est à 30 000 euros, donc ouais, c'est 100 000 euros de 100 000 euros de vêtements, quoi. On va se faire. Ça, c'est pareil, c'est très très rentable. Plus les chevaux qu'on a en plus maintenant vont évoluer très très vite, je pense. Là, c'est vraiment top du top. Pas vraiment bien. On arrive du bon côté de la série là. Il n'y a plus trop de dépenses, on est plus en positif qu'en négatif. Allez hop, au boulot. Hop là. Bon, un fait. Ah, on a quand même, ouais, 10, on avait 10 tonnes dedans. C'est pas mal. Mal, pas mal du tout. Je pense avec tout ce qu'on a en champ, on devrait avoir quand même un bon stock de blé. On va commencer à être bien niveau blé aussi. Hein. C'est vrai que les 3 quarts du temps l'hiver on manque beaucoup, on manque pas mal de blé, mais là je pense que ça marche pas, ça passe pas. Donc là, ouais, l'usine à fromage. Et après l'usine à fromage, on sait pas quoi faire. Je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre en usine derrière. Le jour, j'avais une idée, mais je me rappelle plus. Voilà. Ah si, les huiles. Voilà. Et après, on fait les huiles parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. À part de la récolte derrière, colza, soja et tout, voilà. Donc si après on fait les huiles, très simple à faire. Après le prix, je sais pas comment on fait toujours plus, mais de toute façon on fait là-dedans quand même. On va voir ce que ça donne. Remarque, on pourrait peut-être mettre l'usine à huile avant la fromagerie. Ça nous permet de revendre une session de lait pour les vaches. Pour être pas mal. Après, il faut qu'on garde le prix du fromage, combien qu'on vend le fromage par rapport à l'huile. Et le beurre, c'est pareil. Et on va faire, lui, je pense qu'il est mieux, quoi.
Allez hop là. Encore faire un deuxième de fait, ça. Il nous reste 1, 2, 3, 4. 4 champs de blé. Donc 2 petits, 2 grands. C'est pas plus simple. Là, pour le coup. Après, qu'on se rajoute un champ aussi. Et qu'on fasse toute une zone. D'usine industrielle, ça pourrait être vraiment pas mal. Ça rapprocherait toutes les petites usines qu'on a là à la ferme. On en a déjà pas de nouvelles zones qu'on a refait, mais on a encore beaucoup d'usines à mettre. C'est vrai que niveau emplacement sur la carte, c'est un peu chaud chaud quoi. Il faudrait vraiment qu'on ajoute un très grand champ et qu'on place vraiment toutes les usines dessus quoi, comme on a fait un peu comme la serre. Après, la serre de base, elle est grande. C'est pour ça qu'elle prend quasiment tout le champ. Mais... Après, les usines, c'est assez petit en principe. En principe, hein. Après, je vais pas essayer toutes les usines. D'ailleurs, lui, je l'ai jamais essayé encore. Le fromage et tout, on a déjà essayé, mais lui, je... Ah, si, c'est ça que je pouvais faire aussi. Un truc que j'ai... Bah, si, on a fait un petit peu, mais pas énormément. J'ai pas trop adhéré là-dessus. Le raisin. Alors moi, j'aurais bien faire des de raisin ou des olives. Je sais pas lequel est le mieux. Mais j'aurais bien faire ça. J'ai jamais trop essayé. Et je sais pas s'il y a un champ qui est déjà planté très en ligne. Ça pourrait être bien. J'ai peur en fait dans plaçant des vignes que ça soit trop proche. Il aurait fallu que ça mette automatiquement la largeur minimum. Et je crois que ça marche pas comme ça. Après j'ai pas essayé, je sais pas, mais il me semble que ça marche pas comme ça du tout. Ah non, bon, on va avoir le temps, je pense, de récolter tous les champs en une vidéo. Si c'est ça, c'est top, magnifique. Impeccable. C'est l'idéal, même. Mais je pense que c'est faisable. Avec notre grosse moissonneuse là, on peut pas 10 ans pour faire les récoltes. Pareil pour faire les bottes de paille, ça va être 2 ans. On a pas 50 en bain quoi. Allez, en route toi, capitaine. Et là, ce n'est pas du tout RP. Vous voulez dans dans les cultures, pas trop RP tout ça. Hein. Ah, on a déjà 50% de la capacité de la mer. Ah ouais. Ça va pas qu'on aille vendre, quoi. Ah, je pense pas qu'on a autant. On est au troisième champ. C'est bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va être tranquille avec ça. C'est bon, tu y es, non? Voilà. Bon, on va vider ça. Et on revient après cette moissonneuse.
Ok. Hop là. Et on est reparti. Et on peut partir en avant. Hop là. Troisième champ, il est fini. Il reste encore trois à faire. On va dire deux, quoi. Deux et demi, on va dire. Il y en a un, il est vraiment petit, hein. Allez, tu peux le faire. Nous croyons en toi, petite moissonneuse. Là, 10 km, ça va pas nous pousser dans les orties. Hein. Ah. Galère, galère. Et voilà. Wow. Les petites crevettes, elles vont être contentes. On va leur amener du blé à bloc. Bloc de chez bloc. En même temps, chez du coup, on pourra faire notre tournée de soja juste après. On aura full blé. Et en plus, je pense que ce soja, on va avoir un bon rendement, sachant qu'on a tout le blé à épandre. Ça c'est pareil, en vrai, ça va venir la panne. J'aime pas combien on a d'ailleurs. On avait remis un silo à l'idée, proche dans la cour du. Dans l'enclos des vaches. Mais je sais même pas combien on a en stock pour l'instant. Je sais que la citerne est pleine. La citerne est pleine, ça c'est sûr. Alors, on a 58 tonnes de 58 tonnes de lisier. On va vider en passant pour le petit champ. Ça devrait le faire. Il y aura après par contre. Allez, en avant. En avant, Simone. Moi, j'adore ces moissonneuses-là avec la remorque. Déjà avec la remorque intégrée à la barre de coupe. Je trouve ça beaucoup plus facile. Hop là.
Ça me passe pas. D'ailleurs. Tac, 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 tac. Allez, go. Et les moineaux là, d'aller manger tout mon blé, on est con. Heureusement qu'on n'est pas pauvre. Hein. On y est plus, moi. À une époque, on était un peu trop. Hop là. La largeur quand même. On en est compte du gain de temps qu'on est en train de se faire à faire cette moitié de là. Impressionnant. C'est top de chez top.
Du coup, on va s'arrêter là au niveau moisson pour aujourd'hui. Ça c'est fait déjà. Tac. Pourquoi je peux pas piller ma bécane? Voilà. On va pas lancer de champ parce que je vais pas faire une. Ah! Et ben ça passe pas. Malin. On va pas avoir le temps de le finir. Ça sert à rien. On va faire les deux autres le prochain tour. Et on va aller faire un tour là au niveau des fines. Voir déjà si on a de la laine. Voilà. Comme d'habitude. Et en même temps, voir s'il y a une fromagerie ou une machine à huile. Qu'est-ce qu'il y a déjà de base sur la map? Pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on fait si on fait fromage, huile, de quoi on se dirige. Et puis de toute façon, bah, après ça, ce sera bon. Après ça, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, bon, ça c'est nos usines. Là, on a la boulangerie. Ok. Alors, produits laitiers. Ah, intéressant, on a une fromagerie ici. Créature, ça passe bon, ça passe. Ah, il y a deux. Ah, oui, non, ça c'est chiant. Créature. Traitement du raisin, ok. Usine de biogaz, moulin à canne à sucre. Menuiserie, scierie, là on trouve. Moulin à grains. Ok, bon, bah on arrête. À part la fromagerie, quoi. Et ici. Petite fromagerie. Elle coûte combien? Madame la fromagerie. Ah bah elle est gratuite. Oh, 40 000! Ah bah on la jette, hein, c'est pas cher, hein, en vrai. Que dalle. 40 000 euros. Et du coup. Ah, oh, c'est top, il faut que du lait. Pour du beurre 13 pour le fromage, on fait pour savoir les fromages. Fait par mois 240, c'est là 1200 par mois. 200 fromages, pas quoi ça correspond. Entre fromage et beurre, c'est quoi qui est mieux? Le fromage il coûte, ah ouais, 5 841 euros. Ah bah, go faire du fromage. Comment on fera du fromage, les amis? Voilà, nouvelle usine. La voilà. Bon, sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça coûte rien, ça fait plaisir. Et vous voyez toutes les vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.